Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose deux sortes de milkshake. Un à la fraise et le deuxième Oreo. Une recette simple, facile et rapide à faire. Avec cette chaleur, il n'y a pas mieux. Donc pour les fraises, vous aurez besoin de 250 g de fraises. Je les ai nettoyées. 3 bonnes cuillères à soupe de glace à la vanille. 100 ml de lait froid. Pour les Oreo, vous aurez besoin de 5 Oreo. 3 bonnes cuillères à soupe de glace à la vanille. Et 150 ml de lait froid. Allez, c'est parti pour la recette. J'ai pris le blender et là, je vais verser les fraises. Vous allez voir, la recette, elle est tellement facile à faire. Vous mettez tout. Vous ajoutez les 100 ml de lait. Les 3 boules de glace. Puis vous mixez le tout. Une minute. Et voilà. Donc là, je vais verser le milkshake dans un verre de présentation. Le premier milkshake est prêt. Je vais le mettre au frais en attendant le temps de préparer le deuxième milkshake Oreo. Toujours la même chose, vous prenez le blender, vous mettez les gâteaux Oreo, vous ajoutez les 150 ml de lait froid et les 3 boules de glace. Et vous mixez le tout. Faut bien mixer pour pas qu'il y ait des morceaux. Hein. Et voilà. J'ai pris mon verre de présentation et vous versez le milkshake. Et voilà. Et pour plus de gourmandise, je vais préparer de la chantilly. Vous aurez besoin de 20 cl de crème liquide entière 30%, 2 cuillères à soupe de sucre glace et 1 cuillère à soupe de mascarpone. Je vais utiliser le robot, donc il faut absolument que votre bol soit bien froid ainsi que la crème liquide entière. Sinon, la crème risque de ne pas monter en chantilly. Donc là, je vais verser la crème liquide. Et je vais ajouter la mascarpone. Fouettez jusqu'à ce que la chantilly puisse bien monter. Et ensuite, je vais ajouter le sucre glace. Je vais ajouter le sucre glace. Vous mettez bien vitesse rapide. Hein. Donc là, la crème chantilly, elle est bien montée. Et là, je vais la mettre dans une poche à douille. Donc j'ai mis la crème chantilly dans une poche à douille, j'ai mis une douille, et là je vais décorer par-dessus. Voilà le premier, et le deuxième. Aux fraises. Et voilà. Simple et facile et rapide. Et voilà le résultat final de délicieux milkshake, un à la fraise et le deuxième Oreo. Une recette à tester au plus vite. Vous ne serez pas déçus du résultat. N'hésitez pas à me faire plein de petits pouces bleus pour m'encourager, liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.